Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici ce soir pour discuter avec Dimitri Manessi et Jean Vigreux, tous deux historiens, historiens du mouvement social, historiens du communisme plus précisément. Ce sont des figures connues dans cette maison, puisqu'ensemble, il y a 2 ans maintenant, en 2022, nous avons édité, publié Rino Della Negra, footballeur et partisan, un livre consacré à la figure du jeune joueur du Red Star Saint-Ouen qui faisait partie des fusillés du 21 février 1944. Donc militant, résistant et à l'approche des 80 ans de l'exécution de ces résistants et résistante, une spécificité pour Olga Banchik, on en parlera un peu plus tard, mais elle a été exécutée plus tard et pas de la même façon. On a sollicité, nous, en tant qu'éditeur, en tant que Libertalia, Dimitri et Jean, pour qu'ils poursuivent le travail et nous racontent d'où venaient ces résistants pour ne pas les réduire à la simple figure de Missak Manouchian qui va être panthéonisé dans 3 semaines. C'est une histoire large, une histoire qui commence dès les années 20, une histoire qui est encore en cours d'une certaine façon, puisque maintenant il y a une question mémorielle. Donc j'ai envie de vous demander tout d'abord pourquoi ce titre avec tous tes frères étrangers. Ouais, merci, merci Nicolas pour ton invitation et merci de nous avoir donné l'idée d'écrire ce livre. Parce que finalement, ça vient de Libertalia, qui effectivement avait anticipé les 80 ans et qui nous avait demandé ce que Nicolas vient de vous expliquer. Le titre, Avec tous tes frères étrangers, c'est en fait une référence à un chant révolutionnaire de l'époque. Et vous verrez que chaque chapitre, en fait, reprend les paroles d'un chant révolutionnaire de l'époque. De l'époque ou d'une époque précédente, mais en tout cas qui était chanté par les acteurs et actrices de l'époque. Et Avec tous tes frères étrangers, c'est un des refrains de la version française du chant du Front Uni, Ein Eins Front Lied, donc qui est un chant révolutionnaire allemand à l'origine, et dont le refrain prône l'union des prolétaires nationaux et des prolétaires étrangers. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Parole de Bertolt Brecht, par ailleurs, dans la version originale. Et donc, voilà, ça nous semblait être pertinent de donner cet extrait de chanson à ce titre et puis comme je l'ai dit, de donner un peu comme un clin d'œil à la culture politique dans laquelle baignaient les acteurs et actrices de l'époque, ces militantes et militants communistes, en les incarnant à travers des symboles. Moi, j'aime beaucoup l'étude des symboles, de la symbolique dans le mouvement ouvrier. Et les chansons en font partie, sont importantes. Et c'est des choses qu'on voit à plusieurs reprises. Hein, l'importance de ces chansons qui donnent du courage, qui donnent du sens, qui soudent aussi un groupe. Et voilà pourquoi on lui a donné ce titre. Juste une autre précision, mais d'abord, on remercie Libertalia parce que de nous faire confiance. C'était pas évident parce que Rino, on peut raconter l'histoire totale, au départ c'était chez Fayard qui devait paraître et Fayard s'est désengagé à cause du Covid et donc là, en premier lieu Nicolas a dit je prends, etc. Donc on l'en remercie et c'est le passage en fin de compte, ces deux ouvrages, du singulier au collectif, c'est-à-dire qu'avec Rino on avait déjà tiré des fils sur le groupe, sur ses réseaux, sur ses amis, sur ses relations. Mais là, on a pris à l'envers, c'est-à-dire de prendre l'ensemble MOI et MOE, puisqu'on remonte au lendemain de la Première Guerre mondiale, on expliquera un peu tout ça dans quelques instants, mais c'est-à-dire de passer du singulier au collectif, de penser effectivement les réseaux, les logiques des pratiques politiques, de la sociabilité qui peut exister dans un monde communiste marqué par l'antifascisme depuis les années 20, alors avec les différences entre les années 20, les années 30 et les années 40, il n'y a aucun souci, parce que la ligne n'a pas été toujours la même, mais essayer
de reconstituer, en fin de compte, ces cultures politiques, ces identités politiques, peu importe comment on les appelle. Moi, je préfère le terme de culture. Alors, les chansons, c'est un des marqueurs. Il y en a d'autres aussi qui sont présents dans le livre. Et il y en a un qui est très fort, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est celui des Brigades internationales. On ne peut pas penser la résistance, on ne peut pas penser la lutte armée et ce qui se joue dans la Seconde Guerre mondiale sans évoquer la résistance. Les Brigades internationales, pardon, l'antifascisme en Espagne. Donc ce livre, il est construit en trois parties. L'international sera le genre humain, drapeau déployé et les armes chargées, donc la Seconde Guerre mondiale, et nous serons à tout jamais victorieux, le devenir, d'ailleurs est-ce qu'on dit la MOI ou la MOI, et des FTPF, des FTP, MOI, pardon. Donc, moi, la MOI, ça fait partie de mon panthéon, étrangement trouvé, mon imaginaire politique. Pourtant, je pense avoir pas mal évolué dans les milieux libertaires. Mais depuis toujours, je me suis senti touché par Thomas Selleck, Marcel Reimann. Dans l'ouvrage, on a mis une photo d'une manifestation de 2009, manifestation antifasciste, où on avait exhibé de grands portraits d'Olga Banchik, Selleck, Reimann, Manouchian. Donc on a cette culture-là, c'est une culture qui est intrinsèque à la culture de Libertalia. C'est pour ça que je vous ai demandé de poursuivre dans la mesure du possible après Rino, donc de passer du singulier au collectif. Il y a eu toute une historiographie dans les années 80, avec Annette Viviorca en particulier. Ils étaient juifs, communistes et étrangers, le livre qu'elle a en partie réactualisé il y a 5-6 ans, avec Le sang de l'étranger, notamment un livre que vous citez beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis les années 80 et en quoi votre livre constitue-t-il un apport ? Grande question, c'est peut-être pas à nous de le dire. Mais... Dans les années 80, il y avait encore des acteurs vivants. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu les témoignages, on les a pas eu en direct, mais ils ont été filmés. Donc aussi, on a pu les retrouver, je pense, entre autres, aux brûlures de l'histoire. Rothman avait interrogé Reimann, avait interrogé Holban, avait interrogé Boyko. Donc on a pu retrouver aussi ces témoignages, etc. Qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Déjà, me semble-t-il, mais ça, on y reviendra, et je pense que Dimitri le fera mieux que moi, c'est l'origine, la MOE, veut comprendre d'où ils viennent. C'est quoi cette histoire dans le Parti communiste, dans la CGTU ? Il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est celui de penser le groupe et pas de penser simplement les héros ou les martyrs. On peut évoquer, bien sûr, ceux qui sont fusillés le 21 février 1944, mais au moment où ils tombent, en 1943, c'est la troisième traque dans laquelle ils tombent, ils sont 68 à tomber. Et c'était s'intéresser aussi aux itinéraires des autres. C'était de penser qui sont... pas simplement les 23 arrêtés du groupe, ils sont 24 arrêtés, mais il y en a un qui est retiré du procès, il n'a rien à voir avec eux, mais parce qu'il a un nom à consonance étrangère, polonaise et juive, donc ça correspondait au stéréotype nazi et de la police française, hein, c'est surtout la police française. Donc on a essayé de retrouver le groupe, l'ensemble, le réseau, c'est-à-dire ceux qui les nourrissaient, qui les logeaient, qui les cachaient, qui leur apportaient les armes, qui faisaient les renseignements. Donc c'est un peu ça de neuf. Deuxième chose, c'est l'accès dorénavant à toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quand même fondamental. Non seulement celle du ministère de l'Intérieur et de la Justice, donc dès qu'il y avait un attentat, dès qu'il y avait quelque chose, il y avait des enquêtes policières, donc on a pu bien sûr les consulter aux archives nationales, les archives du service historique de la Défense, les archives de la préfecture de police, qui dorénavant sont totalement ouvertes. Hein. Au début des années 80, elles étaient ouvertes, mais je dirais pour des historiens qui montrait patte comme il le fallait aux APP. Aujourd'hui, ça a complètement changé et c'est ouvert à tout le monde. Et dans ces archives de la préfecture de police, il y a des rapports qui n'avaient pas forcément été vus. Il y en a un qu'on a repéré tous les deux, c'est celui du 3 décembre 1943, qui fait le bilan de toutes les arrestations en disant, voilà, on a complètement démantelé les FTP-MOI, il y a telle personne arrêtée, donc ils font la liste des arrêtés, la typologie des arrêtés. Et ça se termine, mais ça fait froid encore dans le dos quand on lit cela, tant son français à rien, tant son français juif,
tant d'étrangers ariens, tant d'étrangers juifs, et bien sûr tous communistes. Donc ça voulait dire, avant de les remettre aux Allemands, on déjà, les brigades spéciales, comment dirais-je, faisaient, incitaient la logique, bien sûr, de la déportation. Parce que quand je vous dis on s'est intéressé aux autres, c'est parce qu'on pense aux fusillés, mais on ne pense pas au devenir des autres, qui tous ont été déportés, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück et Auschwitz. Donc c'était un peu ça dans le neuf. Et puis l'autre neuf, puisque Eric est ici pour le musée d'histoire vivante, c'est les archives Duclos qui nous ont ouvertes. Et ça nous a permis de voir que le Parti communiste, contrairement à la légende, et le PC les a trahis, etc., eh bien, permet de s'intéresser toute l'année 43, donne des consignes de sécurité très fortes en disant attention à la filature, attention, vous pouvez être repéré n'importe quand, n'importe comment. Et toute l'année 43, il y a au moins 10 rapports sur le sujet. Et un en septembre 43, octobre 43, juste au moment où, bien sûr, il y a la traque et ils vont tomber. Parce que de toute façon, ils étaient repérés. Reimann, que tu évoquais, il est repéré depuis juillet 43. Et Manouchian, il est repéré en septembre 43. Et ils tombent tous en novembre 43. Donc, vous voyez le temps. Parce qu'il fallait que la police voulait en prendre le plus large possible. Voilà un peu ce qu'il y a de neuf, mais il y a d'autres choses que Dimitri pourra rajouter, bien sûr. Non, dans la mention des sources, il y a quand même les sources de l'Internationale communiste qui sont très importantes, notamment pour le premier chapitre, et qui sont désormais accessibles en ligne grâce à un programme qu'avait dirigé Jean il y a quelques années, une ANR, et qui voilà, désormais sont accessibles en ligne sur le site Pandore de la Maison des sciences humaines de Dijon. Donc n'importe qui parmi vous peut aller consulter ces archives et elles sont passionnantes, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et en fait, ce livre, c'est la première fois qu'une histoire globale de la MOI, ou de la MOI, je vais revenir sur ta question, est écrite. C'est-à-dire que on pense à Manouchian, à la fiche rouge, donc au FTP-MOI, mais dans FTP-MOI, il y a MOI, et la MOI, main d'œuvre immigrée, c'est une structure qui a une histoire avant la guerre et après la guerre. Et donc, nous, ça a vraiment été notre fil conducteur, c'est-à-dire de faire une petite synthèse, accessible, on l'espère, au plus grand nombre, mais qui vraiment parle de l'ensemble de cette structure. MOI en général, ça dépend de la prononciation. C'est vrai que chez les militants juifs yiddishophones, parce que dans la MOI on était regroupés par groupe de langues, donc les militants juifs étant yiddishophones étaient regroupés, les militants de langue italienne, grecque, espagnole, etc. Et donc c'est vrai qu'on avait tendance à prononcer MOI chez les yiddishophones, et dans le langage courant ça a pu rester. Mais oui, c'est vrai que c'est une première synthèse. Ça n'a jamais été fait jusqu'à présent, une synthèse sur une des organisations de ce qu'on appelle la galaxie communiste, c'est-à-dire une de ces multiples organisations qui, autour, dans, à côté du PCF, composent la galaxie communiste et l'univers et la culture politique communiste de l'époque. Donc c'est un livre qui va finalement, si je dois schématiser, des lendemains de la Première Guerre mondiale jusqu'à la panthéonisation, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Il y a un caractère important dans le livre, c'est que ça ne se limite pas à la région parisienne. Est-ce que tu peux, Dimitri, par exemple, reprendre, nous raconter ce qu'était l'AMOE, rapidement, avant qu'on en vienne aux années de guerre? Ben, je vais prendre une heure ou deux, et puis ensuite on passera à Jean. Donc on sera encore là demain matin, ne vous inquiétez pas. Nicolas a du café. Mais effectivement, on a voulu élargir la focale et pas se concentrer sur une histoire parisiano-centrée. Parce que bon, c'est malheureusement un écueil. Moi, je suis de Grenoble, Jean est de Dijon, du coup, l'histoire parisiano-centrée, ça nous parle moins qu'à d'autres. Par conséquent, on a voulu élargir la focale, c'est un point important, tu as eu raison de le rappeler. La MOE, main-d'œuvre étrangère, donc, qui devient, à partir de 1932-33, main-d'œuvre immigrée, c'est une structure qui est à l'origine une structure syndicale. Alors nous, dans le livre, on s'est focalisé sur l'aspect politique, c'est-à-dire les groupes de langue MOE puis MOI du Parti communiste, mais à l'origine, ce sont des groupes de langues qui appartiennent à l'univers syndical communiste, c'est-à-dire à une organisation dont tout le monde a oublié le nom aujourd'hui, mais qui s'appelait la CGT-U, CGT unitaire. Puisque
socialistes et communistes se divisent, la CGT également se divise au lendemain de la Première Guerre mondiale, je vous fais ça à la serpe, hein, parce qu'effectivement on n'a pas non plus des heures devant nous, mais donc une structure qui rassemble dans un premier temps à la fois les libertaires et les communistes pro-bolcheviques, etc., se regroupe dans une CGTU, et cette CGTU, qui va se réunifier en 1936 dans l'élan du Front populaire avec la CGT, eh bien c'est en son sein que sont créés les premiers groupes de langue. Donc ces groupes de langue, tout simplement, ils ont vocation à encadrer... En fait, ils ont une sorte de double vocation, c'est-à-dire d'intégrer tout en respectant et en jouant sur les spécificités de chaque groupe. C'est-à-dire que pour s'adresser à des mineurs polonais, eh ben, vous devez leur parler pour beaucoup en polonais, parce que tout simplement, beaucoup d'entre eux ne comprennent pas le français. De même pour des maçons italiens, de même pour des bûcherons espagnols, vous devez vous adresser dans leur langue avec des outils spécifiques, avec des codes culturels spécifiques, même si tout cela a pour vocation... non pas de les séparer, mais au contraire de les intégrer dans la CGTU ou dans le Parti communiste français. Par conséquent, c'est cette structure-là. Je fais tout de suite une précision, qu'on précise d'ailleurs dès l'introduction, mais quand on parle de main-d'œuvre étrangère ou de main-d'œuvre immigrée, c'est essentiellement à l'époque une main-d'œuvre et des individus européens, puisque la main-d'œuvre coloniale, d'Afrique, d'Asie, etc., est organisée dans une structure à part, qui s'appelle d'ailleurs la MOC, hein, la main-d'œuvre coloniale, et donc qui a des spécificités, son statut, son rapport à la métropole, l'anti-impérialisme, la lutte de libération nationale, qui justifie aux yeux des communistes de séparer d'un côté la main-d'œuvre immigrée et de l'autre la main-d'œuvre issue des colonies. Donc c'est sur cette main-d'œuvre immigrée qu'on s'est... main-d'œuvre étrangère puis main-d'œuvre immigrée qu'on s'est attelé à travailler, à expliquer, à synthétiser. Alors, on aimerait presque faire un livre sur chaque groupe de langue, parce que c'est passionnant, que les archives sont passionnantes, les sources sont passionnantes, les témoignages sont passionnants, mais on a essayé de synthétiser tout ça et de montrer un peu le développement de cette structure, de sa fondation dans les années 20 jusqu'à sa transformation dans les années 60-70. Voilà, donc c'est un travail essentiellement de propagande qui se met en place à travers ces groupes de langues et qui vise à briser, en fait, à briser un obstacle qui se dresse aux yeux des communistes, pour reprendre leur vocabulaire de l'époque, un obstacle qui se dresse à l'unité des travailleurs, à l'unité du prolétariat dans sa lutte, à savoir l'obstacle du racisme, de la xénophobie, qui non seulement est présent dans la société, on pourra y revenir hein, plus en détail, mais qui, j'allais presque dire dans un premier temps, pour ces militants, est visible à travers le mouvement ouvrier lui-même. Et on pourra revenir sur les positions des uns et des autres, à la CGT, chez les socialistes, etc. Vous avez quand même des prises de position, que ce soit au niveau des individus ou au niveau des organisations, qui reflètent la xénophobie de l'époque. Et face à ça, les communistes, en fait, veulent donner une sorte de coup de pied dans la fourmilière et veulent mettre en place l'internationalisme concrètement et briser cette espèce d'idées reçues que diffuse également le patronat au sein de la classe ouvrière, à savoir que les immigrés sont forcément une main-d'œuvre concurrente, une main-d'œuvre qui fait baisser les salaires, donc il faut protéger la main-d'œuvre nationale, ne surtout pas tendre la main à ces étrangers, mais protéger la main-d'œuvre nationale et mettre les étrangers de côté, voire même les expulser quand ça va mal. Et ben, face à ce discours-là, qui est partagé encore une fois par bon nombre d'acteurs et d'actrices au sein même du mouvement ouvrier, les communistes, qui eux-mêmes vivent une certaine xénophobie dans leur rang, hein, les communistes essaient de mettre en place cette structure très particulière qui leur permet au contraire d'organiser ou d'essayer d'organiser en commun travailleurs français comme travailleurs immigrés. Juste un mot, mais pareil, hein, on est entièrement d'accord, il n'y a aucun souci, mais pour vous replonger dans le contexte sur le fait que la France devient un pays d'immigration dans l'entre-deux-guerres, plus que les États-Unis. C'est le contre-coup de la Première Guerre mondiale, la saignée de la Première Guerre mondiale. Pour reconstruire le pays, on fait appel à une main-d'œuvre étrangère. Et le patronat, l'État, organise la venue d'une main-d'œuvre immigrée, je dirais, économique,
Et en même temps, il y a aussi toute la main-d'œuvre immigrée, elle, réfugiée d'exil. Parce qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est l'arrivée des fascistes au pouvoir en Italie, ce sont les régimes autoritaires en Europe centrale et orientale, et puis à partir de 1933, l'arrivée des nazis au pouvoir. Ce qui fait qu'il y a aussi toute une population qui vient en exil, en refuge en France. Alors, sous des idéaux liés à la Révolution française, à la terre des droits de l'homme, alors c'est justifié, c'est pas justifié, ce sont des représentations, c'est pas toujours la réalité dans laquelle ils vivent, mais en tout cas, c'est la représentation qu'ils ont. Et ça, c'est aussi important à avoir dans la vision de la MOE et de la MOI. Vous avez parlé de la guerre d'Espagne comme d'un moment très important. À quel titre ? J'ai été très long, donc je vais faire très court. En fait, la guerre d'Espagne, bon, déjà, c'est un événement important de manière globale, mais concernant spécifiquement la MOI, quand on pense à la guerre d'Espagne, on pense souvent aux brigades internationales, c'est-à-dire à ce phénomène de volontariat international encadré par l'internationale communiste et qui a eu une portée symbolique très forte, non seulement pour montrer que la République espagnole n'était pas seule, mais qu'à ses côtés, un véritable front populaire mondial, c'était ça l'idée de l'internationale communiste, un front populaire mondial allait venir en secours de la République espagnole contre la menace franquiste, fasciste, appelons-la comme on veut. En fait, ce phénomène des brigades internationales, c'est-à-dire ce phénomène d'encadrement du volontariat international, ne vient pas du centre, à l'origine, ne vient pas, c'est-à-dire de Moscou, ne vient pas du centre du monde communiste, mais vient de sa périphérie. C'est-à-dire que c'est Maurice Thorez qui demande à Moscou la validation d'un plan d'organisation de ce volontariat international. Et pourquoi Maurice Thorez demande à Moscou, Maurice Thorez, secrétaire général du PCF à l'époque, je précise, pourquoi Maurice Thorez le fait ? Parce que Maurice Thorez lui-même a été contacté par les militants de la MOI française, notamment son premier responsable, Giulio Ceretti, ça c'est un nom très important à retenir, qui a écrit ses mémoires qui s'appelle « À l'ombre des deux T ». Alors les deux T, c'est Thorez, secrétaire général du PC de l'époque, et Togliatti, Palmiro Togliatti, secrétaire général du PC italien. Ceretti, c'est un militant communiste italien en exil en France et qui va avoir un rôle politique très important et notamment va diriger, à partir de 1934, la MOI en France. Et c'est dans ce bouillonnement tout à fait spontané au départ, des premiers volontaires, des premiers étrangers qui sont en France ou passent par la France pour aller se battre en Espagne, constatant ce fait-là, la MOI se dit que là, il y a une carte à jouer importante, qu'il faut secourir la République espagnole, qu'il faut que ce soit les communistes qui soient à l'initiative de cet encadrement. Et Ceretti et ses camarades de la MOI vont aller voir Thorez, et Thorez lui-même va aller voir Moscou. Et c'est comme ça que vous avez un phénomène de la périphérie vers le centre qui va être à l'origine d'une des plus grandes réalisations technico-politico-militaires de l'internationale communiste. Juste, il y a plein d'autres aspects. Édouard Zil, Rémy Skoutelski l'ont bien montré dans leurs travaux et leurs thèses sur les interbrigadistes ou brigades internationales, peu importe comment on les appelle. Il y a 30 000 volontaires qui viennent de toute la planète et qui vont combattre en Espagne. La France étant la plaque tournante, véritablement, pour acheminer ces combattants. Et il y a 10 000 Français qui vont partir combattre en Espagne. Et puis loin aussi de l'idéal qu'on représentait autrefois, jeunes, étudiants exaltés, etc. Non, des gens qui sont plus âgés, qui travaillent, qui sont socialisés, qui ont une carte politique ou syndicale, donc qui peuvent avoir une vie de famille. Ça aussi, c'est important. Et la vie de famille, c'est aussi un petit clin d'œil que je rajoute par rapport à l'ouvrage. Tu nous demandais ce qu'on a essayé de montrer. On a montré aussi qu'il y avait des couples. Souvent, on les présente, ces héros, ces martyrs, comme des gens qui ont été fusillés, qui n'avaient rien à perdre, etc. Mais ils pouvaient vivre en couple. Et on a compté 8 couples. Alors on a Méliné et Missac, mais il y en a 8 au total. Voilà. Et alors, puisqu'on fait le lien avec les brigades, sur ceux qui sont fusillés le 21 février 1944, il y en a 5 qui sont des interbrigadistes. Les autres étaient plus jeunes, ils ne pouvaient pas partir en Espagne, ils avaient 14-15 ans à ce moment-là. Et c'est ceux qui étaient un peu plus âgés qui leur apprennent aussi le maniement des armes et tout ce qu'ils ont appris sur la guérilla et les enjeux de la guérilla. Du coup, un mot peut-être sur, et quelques mots,
sur la main-d'œuvre immigrée pendant la guerre dans les grandes villes de France. Vous parlez de Marcel Langer pour Toulouse, vous parlez du bataillon Carmagnole Liberté pour Grenoble et Lyon. J'y vais? Bon. Alors, d'abord, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a le choc du pacte germano-soviétique en 1939, qui prend à 180 degrés la ligne qui était celle encore du mois d'août, de la défense de l'antifascisme, de la défense du Front populaire, du 150e anniversaire de la Révolution française. N'oublions pas que les députés communistes votent les crédits de guerre, que tout le monde va combattre, etc. Mais que très vite, l'internationale communiste est mise sous je dirais, sous la main de fer de Staline, puisque Dimitrov, et ça maintenant aussi, c'est des choses qu'on a découvert avec les archives qui se sont ouvertes, Dimitrov se fait tancer par Staline, parce qu'il est encore sur la ligne Front populaire, antifasciste, etc. Et Staline, ben non, le remet à l'ordre. Et donc, à partir de ce moment-là, le PC est interdit en France, donc la MOI est aussi interdite et devient clandestine. Mais chez les militants de la MOI, c'est là où ça passe le moins bien. Parce que tous étaient réfugiés, et d'ailleurs, on le voit bien, alors avec différents types d'engagement, dès 39 et 40, mais surtout 39, où ces militants de la MOI vont s'engager soit dans l'armée française, ou soit dans les armées, les légions polonaises qui combattent pour la France, etc. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se joue et qu'il faut jamais perdre de vue. Bon, avec 41, ça change. Alors, l'évolution, elle n'est pas si brutale, 39-41. Il y a une évolution du PC. Il ne faut pas croire que tout se joue en 41 au moment de l'attaque de l'Union soviétique. Il y avait déjà des choses avant. Mais il y a un ouf de soulagement que Holban prononce, que Raïski prononce. Enfin, on a tous ces témoignages là-dessus. Et donc, pendant la guerre, eh bien, cette MOI qui se reconstitue, elle reprend en fin de compte la carte de la France industrielle où elle était implantée, aussi bien en Lorraine, aussi bien dans le Rhône, aussi bien du côté de Marseille, etc. Et puis aussi, tu as évoqué Toulouse. Donc, ça nous permet d'avoir une carte de la France industrielle et où étaient les immigrés sur cette période. Sur le sud-ouest, c'est plus une population espagnole. Alors, il y a les enjeux aussi de la guerre d'Espagne, mais aussi d'une agriculture qui avait besoin encore de bras. Hein. Ce n'est pas une agriculture ultra mécanisée comme on peut la connaître aujourd'hui, même s'il y a un retour de prolétariat rural dont on parle peu ces jours-ci, c'est bien dommage, mais il existe aussi. En revanche, il y avait un prolétariat rural important et qui était souvent immigré. Voilà un petit peu sur la carte. Et en disant ça renvoie à ta question de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé seulement au FTP MOI de Paris et de la région parisienne, même s'il y a Manouchian et tous ces enjeux, c'est de penser que ces FTP MOI étaient partout ailleurs en France. On en a en Lorraine, ce que j'évoquais tout à l'heure. On en a même, moi j'en ai dans le Morvan, hein, aux limites du Creusot. Le maquis Valmy a un détachement FTP MOI tenu par les Polonais, parce qu'il y avait les mineurs polonais qui étaient à Montceau-les-Mines et qui sont encadrés, etc. Alors c'est des petits groupes, des petits nombres, mais on en a un peu partout. Alors ailleurs même, ils vont rejoindre directement les FTP, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, et ils rentrent dans les maquis FTP. Mais ça renvoie, et ce qui est très intéressant sur les noms de ces groupes, Carmagnole, Liberté, Marat, ça renvoie à la Révolution française. Ça renvoie à l'idéal de la Révolution française et ça renvoie à l'imaginaire, là encore, représentation de la Révolution française. Il y a Valmy aussi, enfin bon, tous ces noms qui renvoient à cette période. Il n'y en a qu'un seul groupe qui s'appelle la 35e Brigade à Toulouse. Mais là, c'est vraiment un clin d'œil aux brigades internationales. Hein, il est clair que ça participe de ça. Voilà. Est-ce qu'on peut les quantifier? C'est difficile. C'est difficile, ouais. C'est difficile parce qu'on estime par exemple que les FTP MOI de la région parisienne représentent environ 60-70 combattants. Combattantes et combattants. Ouais, mais c'est-à-dire des ordres de grandeur qui ne sont pas fulgurants. Mais parce que c'est à l'image de la résistance en France. C'est pas la résistance en Yougoslavie, en Grèce ou dans les territoires occupés de l'Union soviétique. C'est pas un phénomène de masse, même si on analyse, c'est un grand débat, hein, mais si on analyse la résistance comme mouvement social,
Mais en fait, tout simplement, si on analyse la résistance comme une guerre de guérilla, on se rend compte que derrière les combattants, eh ben, y a des soutiens, y a un support. Donc il ne faut pas se contenter uniquement du chiffre des combattants, parce que ce serait donner une image fausse de ce que représente en termes d'implication dans la lutte ce chiffre. Mais même si on compte les soutiens, même si on compte les bases arrières, on reste en France pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire, encore une fois, un phénomène résistant qui n'est pas un phénomène de masse, même s'il peut impliquer beaucoup plus de gens. Cependant, pourquoi en fait aussi on se décentre de la région parisienne ? C'est parce qu'en fait, quand on regarde les sources, on constate que l'AMOI avant la guerre est implantée essentiellement, c'est vrai, les places fortes sont en région parisienne, mais en fait, à l'image du PCF, dans les grands bassin d'emploi industriel, et que du coup, durant la guerre, même si la transition entre MOI d'avant-guerre et MOI résistante pendant la guerre n'est pas automatique, mais on se rend compte qu'en fait, les zones correspondent. C'est ce qu'a dit Jean, c'est la Lorraine, c'est le Pas-de-Calais, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est la région toulousaine, etc., etc. Donc, tout ça pour répondre que en termes de quantité, en fait, on s'aperçoit que même si ce n'est pas un phénomène comparable à l'EAM en Grèce ou à l'armée des partisans de Tito en Yougoslavie, c'est très difficile de répondre à ta question, mais on constate que quand on gratte un petit peu les forces qui composent la résistance armée, je dis bien la résistance qui mène la lutte armée, pas seulement la résistance armée, mais qui est armée et qui mène la lutte armée, ce qui est quand même une spécificité des communistes, au moins jusqu'en 1943, on constate que dès qu'on gratte un peu, on trouve des détachements de la MOI. Et ces détachements de la MOI, je réinsiste juste là-dessus, mais Jean l'a dit déjà, c'est vraiment aussi, c'est un mélange déjà de genre, hein, ne pas oublier la place des femmes, mais c'est un mélange aussi de génération. C'est-à-dire que des très jeunes comme Rino sont en contact avec des vétérans des luttes antifascistes comme Boxoff, qui sont passés par l'Espagne, qui ont vécu l'expérience de la répression et de l'exil dans leur vie antérieure. C'est des gens qui ont 30-40 ans, mais qui ont déjà une vie très dense derrière eux. Et je pense que vraiment ce mélange des générations, et du coup, ce qui explique l'encadrement militaire des uns par les autres, est très important. Mais Jean, si tu as quelque chose à dire sur les effectifs. Sur les effectifs, de toute façon, c'est toujours difficile de compter les effectifs parce qu'on estime généralement la population qui a participé à la résistance à 4, 5, 6% au grand maximum et puis bien sûr évoluant de 40 à 44. Concernant les étrangers, il y a un peu plus. En gros, c'est 20% dans les effectifs qui sont étrangers. Donc, ce qui fait un ratio un peu plus grand, mais ça dépend bien sûr aussi des régions, ça dépend des espaces, ça dépend des possibilités. Et puis, pour certains, on n'a pas forcément retrouvé leur parcours, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue, bon, au-delà de ceux qui sont bien sûr exécutés, et ça, on peut les retrouver plus facilement, mais de nombreux ont quitté la France au lendemain de 44-45, soit aller construire, alors je mets des gros guillemets, le socialisme dans les pays qu'ils considéraient devenir un des lieux du socialisme derrière, plus tard, le rideau de fer et l'origine. Pour d'aucuns, c'est en Roumanie, d'autres, c'est en Hongrie, d'autres en Pologne, en Yougoslavie. Donc, il y a toute cette volonté d'aller reconstruire et de construire autre chose. Donc, on les perd de vue. Sauf qu'ils vont revenir très vite pour d'autres, parce que y a les purges staliniennes, il y a les procès à consonance antisémite qui peuvent exister. Pensons à London, qui fuit. D'ailleurs, London est sauvé par le Parti communiste français. Son épouse, Lise Ricol, elle était d'origine espagnole, elle était de Montceau-les-Mines, et secrétaire de Deval Descrochet dans les années 30, et puis elle a un rôle important au PC, etc. Elle le sauve des griffes via Duclos et Torres, des procès en Tchécoslovaquie. Je reviens sur... vous connaissez l'aveu, et vous avez ces aspects-là. Holban aussi. Holban, il est obligé de quitter la Roumanie un peu plus tard. Boyko aussi va quitter parce qu'il y a tous ces enjeux. Ils reviennent en France. Mais à un moment donné, on les avait ils étaient perdus de vue. Et puis même, puisqu'on évoquait Missak et Méliné, elle va partir construire en Arménie soviétique l'Arménie soviétique. Donc il y a tous ces enjeux aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas tous été quantifiés, parce qu'il y a encore beaucoup
de champ des possibles à aller travailler en, sur vraiment des registres particuliers, locaux, des listes de... Mais il y en a qui ont disparu, il y en a qui on les a pu, etc. On parlait d'étrangers, moi je me souviens, dans le Morvan, sur nos maquis, on parlait beaucoup d'espagnols, et on les a à peu près retrouvés, mais ils n'étaient pas par la MOI. Ils étaient arrivés par d'autres biais. Et bon, bah, il faut toujours vérifier tout ça. Mais voilà rapidement pour les chiffres. Sinon, bah oui, pour la région parisienne, ça, c'était sur les logis de combattants, on peut monter peut-être à une centaine de personnes, mais c'est pas plus. C'est pas plus. De toute façon, dès qu'on entrait dans la logique de la clandestinité de la résistance et qu'on était combattant, on risquait sa vie en permanence. Être arrêté comme franc-tireur, c'est d'être fusillé, ou sinon, c'est être déporté. Il y a aussi tous ces enjeux qu'il faut jamais perdre de vue, quoi, les conditions dans lesquelles ça se passe. Voilà. Alors ces groupes FTP-MOI, quels sont leurs modes d'action? On a dit qu'ils étaient structurés militairement. Quel est leur quotidien? On connaît des coups d'éclat, l'exécution de Julius Ritter par exemple, mais est-ce qu'on peut balayer assez rapidement les actions? Alors les actions. D'abord... Il n'y a pas que les actions, c'est la logique de vie de la clandestinité. Comment on vit quand on est clandestin? Normalement, le matin, on se lève et puis on va dans un parc, on se promène, on fait comme si on allait travailler pour que les voisins ne repèrent pas qui on est, ce qu'on fait, etc. Il y a toute cette logique aussi d'apparaître, d'être socialisé, même si on ne l'est pas forcément. En revanche, ces groupes des FTP-MOI agissent. Alors, on a évoqué, il y a les groupes de langue, les détachements, et en particulier pour la région parisienne, le premier détachement, deuxième détachement, troisième détachement, quatrième, et puis les groupes spéciaux, en fin de compte, ceux qui vont faire les dérailleurs, les trains, et toutes ces logiques-là, plus un peu de renseignements, et c'est Christina Boyko, dont je parlais tout à l'heure, qui, elle, s'occupe de ça. L'armement, c'est Olga Bansik, qui, elle, a plusieurs appartements dans Paris dans lesquels elle va cacher les armes. Et c'est les femmes qui amenaient les armes à ces partisans pour leur action. Jamais ils avaient d'armes sur eux. Les armes, ils ne pouvaient pas en avoir sur eux. Ils pouvaient arrêter à tout moment donné, etc. Et on les amenait à un endroit, soit une sortie de métro, soit un parc, soit un endroit. Et c'était toujours des femmes qui amenaient ces armes. Ils agissaient généralement à trois. Un peu plus après, il y a eu une tentative d'aller jusqu'à 5, 6 ou 7, mais c'est assez rare. Disons, c'était trois. Chacun avait un rôle. Il y avait celui qui surveillait et qui protégeait. Et puis, il y avait celui qui commettait l'attentat. Et s'il ne réussissait pas, il y en avait un deuxième qui intervenait. Par exemple, pour Julius Ritter, c'est Reimann qui termine, qui le tue, alors que ce n'était pas lui qui, le premier, avait tiré. Sauf qu'il ne savait pas qui est-ce qui tuait. Ils ne l'ont su que le lendemain. Ils savaient que c'était un dignitaire nazi, allemand, important, etc. Mais ils ne savaient pas du tout qui c'était. Et ils le savent dans la presse le lendemain. Même Radio Brazzaville dit « Super, ils ont exécuté Ritter », enfin, etc. Il y a des projecteurs qui sont mis dessus. Et c'est eux qui, après, se rendent compte qu'ils ont tué celui qui organisait le STO, celui qui organisait le travail forcé en Allemagne. Leurs actions, oui, sont des formes d'attentats, on peut dire, de guérilla urbaine pour la région parisienne. Mais c'est pareil à Lyon, c'est pareil à Marseille, c'est ces formes d'attentats de guérilla. Il y a une petite différence entre les deux, c'est qu'en province, il va y avoir des exécutions de juges qui ont condamné les FTP-MOI. Et il y a vraiment la volonté de marquer les esprits sur tous ceux qui étaient juges de Vichy et qui participaient dans ces tribunaux spéciaux à la condamnation à mort, à l'exécution des militants et des dirigeants des FTP-MOI, que tu n'as pas en région parisienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des collabos du PPF, du RNP qui ont été exécutés, mais il y en a moins qu'en province. Oui, effectivement, c'est des actions de guérilla urbaine, mais encore une fois, si on descend le regard, il y a des actions de guérilla rurale qui sont menées par des FTP-MOI qui participent à des maquis. Donc là, on a deux types de vie complètement différentes, deux types de guerre complètement différentes, des manières de faire la guerre qui ne sont pas les mêmes, et qu'on retrouve aussi à ce moment-là. Sur des chronologies.
chronologie décalée, parce que les maquis, c'est 40. Oui, c'est plus tard. Et là, on est 42-43. Hein, faut toujours penser les temporalités. Mais je suis désolé, c'est mon vieux réflexe. Non, mais tu as raison. Corrige. Parce que c'est mon ancien directeur de thèse, donc forcément, lui c'est le professeur, moi je suis l'étudiant. Non, c'était pas ça. Je plaisante, Jean. Voilà, et donc c'est des vies de partisans, de guerriers, urbains ou ruraux, et qui donc essaient de cibler l'armée allemande, mais aussi les forces vichistes, les partis collaborateurs français comme étrangers. Hein. Quand on regarde le parcours de Rino, par exemple, on voit qu'un certain nombre de ses actions étaient dirigées contre des collaborateurs fascistes italiens vivant en France. Par conséquent, c'est voilà, tout un champ de cibles possibles. Et puis, ne pas oublier en revanche que ceux à qui ils ont à faire face, en priorité, ce sont des Français. Parce que l'armée et la police allemande, ils n'ont pas les moyens d'être partout en même temps dans une guerre mondiale. Par conséquent, ils ont besoin de la police française, de la gendarmerie française pour mener la lutte anti-partisan. Et donc, vous avez toutes ces opérations-là qui sont menées, que ce soit par la gendarmerie en province, par la police dans les villes. Et voilà, je m'arrête là. Ce qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait qu'ils reçoivent une solde en tant que soldat. Ce qu'on n'a pas non plus du tout abordé, c'est la question de la répression. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des brigades spéciales, du nombre d'enquêteurs qui les traquaient, du temps de la traque? Oui, bah, sur la traque en elle-même, je pense que Jean développera, mais effectivement, les brigades spéciales, c'est donc une police parisienne qui est directement issue des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris. On les appelle brigades spéciales parce qu'elles sont spécialisées dans une mission, et une seule, c'est la lutte contre la résistance d'obédience communiste. Et donc, vous avez environ 200 inspecteurs et agents qui ont pour unique mission, à temps plein, de lutter contre ces combattants. Ces combattants qui, donc, tu l'as dit, reçoivent une solde. Alors, on les appelle, c'est marrant parce qu'on réutilise le même terme que dans le militantisme, on les appelle des permanents. Alors, pas pour dire permanent politique, mais pour dire des combattants permanents. C'est pour ça que, parfois, il y a d'ailleurs certaines personnes certains historiens qui ont confondu entre permanent du parti avant la guerre et permanent pendant la guerre. C'est deux types de permanentats un petit peu différents. Mais effectivement, on les appelle des permanents parce que ce sont des gens qui sont rentrés en clandestinité totale. Donc, ils ne travaillent pas. Et la guérilla est certes une guerre de pauvres, mais il faut quand même qu'ils puissent se nourrir, se loger, etc. Et donc, on leur verse une solde, comme à l'armée, pour qu'ils puissent se débrouiller un peu comme ils peuvent. Mais c'est une vie très dure. Et c'est une vie, d'ailleurs, je reviens un peu, pardon, sur la question d'avant, parce qu'on parlait de leur quotidien, mais pour beaucoup, ce sont des jeunes. Et la vie de clandestin, pour un guerriero urbain, c'est une vie qui peut être très solitaire. Et ça pèse beaucoup chez des jeunes gens qui ont 18, 20 ans et qui n'ont pas forcément l'envie ou le goût de passer leur journée seuls à attendre la prochaine opération armée qu'ils vont devoir mener. C'est pour ça que vous avez certains qui se retrouvent au cinéma ou ailleurs en freignant les règles de clandestinité. Mais en fait, quand vous commencez à travailler de manière un petit peu sérieuse sur la résistance, vous vous apercevez que les règles de sécurité de la clandestinité, qui sont des règles très strictes et pour cause, sont finalement assez peu respectées chez les communistes comme chez les autres d'ailleurs, peu importe. En tout cas, j'ai complètement perdu le fil, mais oui, donc les brigades spéciales, ça c'est à Paris, c'était ta question. Pardon ? 200 contre une toute petite centaine de combattants, c'est vous dire, voilà, et puis encore une fois, j'insiste, mais des combattants qui ne sont pas des soldats de métier. Ce sont des ouvriers, ce sont des footballeurs, ce sont des étudiants, ce sont des tailleurs, ce sont des artisans. Ce sont pas des gens, à part ceux qui ont l'expérience militaire, encore une fois, notamment des brigades internationales, ce ne sont pas des gens dont la guerre ou la clandestinité est le métier. Ils n'ont pas été formés à ça, donc ils apprennent sur le tas et en face d'eux, ils ont des policiers qui, pour beaucoup, sont expérimentés,
qui ont des méthodes d'investigation, notamment la filature, qui est une grande spécialité de la police française et que la police française va mettre au service de l'occupant allemand, et qui vont porter forcément des coups terribles à ces gens qui sont, encore une fois, qui sont des partisans, qui mènent une guerre irrégulière, qui ne sont pas des soldats de métier, ce sont des soldats sans uniforme, qui frappent où et comme ils le peuvent, et qui ont face à eux une machine répressive qui, pour le coup, est très bien huilée et qui va malheureusement très bien fonctionner. Et sur les détails de la traque en région parisienne, je vous renvoie notamment à un livre et à un documentaire de Denis Péchanski, qui a vraiment fait une étude très, très pointue sur tout cela, mais Jean peut vous en dire deux mots. C'était le documentaire qu'il avait fait avec Georges Amat il y a quelques années sur la traque, et qui est très bien fait en partant des archives de la préfecture de police et en reconstruisant, en fin de compte, les trois grandes filatures de la région parisienne qui sont de 1943. Entre janvier 1943 et novembre 1943, il y a trois grandes filatures qui vont faire tomber les FTP et MOI de la région parisienne. Mais on a les mêmes choses en province, hein, puisque quand ils tombent, c'est qu'il y a eu aussi des enquêtes de police, etc. Simplement, deux choses par rapport à cette traque, cette répression. Il ne faut jamais perdre de vue que, dès que quelqu'un faisait une erreur, hein, on va dire, Marcel Reimann, il est repéré à la piscine en juillet 1943. Donc voilà, et c'est comme ça qu'il retire les fils. Mais il ne savait pas d'abord qui c'était. Ils avaient repéré que c'était des militants, des clandestins, etc. Et ils les appelaient par les lieux où ils les ont repérés. Manouchian, c'était Bourg, parce qu'il était à Bourg-la-Reine. Boxhoff, c'était Ivry. Le jeune Thomas Hellec, le lycéen, c'est Mouffetard, parce qu'il était repéré rue Mouffetard. Donc chacun, ils avaient un lieu. Et quand ils me remettent sur la fiche des APPO, hein, donc des brigades spéciales, vous aviez en haut Mouffetard, vous aviez Bourg, en fin de compte, en fonction. Et avec toutes les dates, toutes les heures, où ils ont vu quelqu'un. Et à partir de ça, il tirait des fils, donc il faisait un graphique, une toile d'araignée, littéralement, hein, tirait les fils, et on voyait que Ivry, avait vu Bourg, et puis on tirait tous les fils vers tous les autres. Ce qui fait qu'ils ont une vraie toile d'araignée qui leur permet de voir qui sont ces FTP. Et quand ils sont décidés, effectivement, des rafles et de la mise en œuvre, en fin de compte, des arrestations, ils arrêtent le maximum de monde. Ils sont cinq, hein, à ne pas être arrêtés en novembre 1943. Ça ne veut pas dire que tous ils vont survivre, parce que certains d'entre eux peuvent mourir comme... Le deuxième du monde est italien. Il meurt en avril 1944 dans les combats avant la libération, etc. Mais donc, ce qu'il faut bien voir, c'est quelque chose de très, très huilé, de très professionnel, sauf qu'il y a une exception. La seule exception, celui qui n'était pas repéré, c'était Rino Della Negra. Quand on prend sa fiche... on l'avait publié il y a deux ans, quand on prend sa fiche des archives de la préfecture de police, il n'est repéré que pour l'action qui mène le 12 novembre 1943 sur les convoyeurs de fonds. Avant, il n'est pas repéré. Donc, alors que lui, jouait au football avec sa vraie identité, tout en étant réfractaire au STO, il peut y avoir aussi des trous dans la raquette, hein, derrière cette vision ultra-perfectionniste des brigades spéciales, ultra-huilées, ultra... Attention, mon propos n'est pas de dire ça n'existe... Enfin, c'était mauvais ce qu'il faisait. Non, c'était très, très efficace. Mais pour le cas de Rino, y a une exception. Voilà, il y a cet enjeu-là. Et d'un autre côté, cette répression qui est très dure et qui est dans une logique de collaboration, il ne faut jamais perdre de vue qu'on a les accords... Bousquet-Auberg, donc la police française qui travaille pour l'occupant totalement, et regarde ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le rapport du 3 décembre 1943, donc on dénonce le complot judéo-bolchevique, enfin on a tous les éléments de la propagande vichiste et nazie en même temps, ces rapports de police sont là pour minimiser véritablement aussi l'action de ces résistants. Alors, je sais bien qu'il y a tout un débat historiographique aujourd'hui de dire de toute façon ça ne servait à rien, la plupart des attentats ils tuaient personne, ils blessaient, etc., etc. Mais sauf que c'est faire fi de la logique de la guérilla. Parce que la guérilla, elle est aussi politique, elle n'est pas simplement militaire. Ce qu'il faut voir, c'est l'espoir de la résistance, c'est toujours ses enjeux. Et d'autant plus que derrière toutes ces chronologies, quand on est en 1943, il y a le tournant de la guerre, il y a Stalingrad qui a eu lieu.
il y a la naissance du Conseil national de la Résistance et l'unification de la Résistance par Jean Moulin et derrière De Gaulle. Et donc tout ça, ça participe de ça, de ces enjeux. Et c'est ce qu'on a montré aussi dans le livre, c'est que l'arrestation en novembre 43, là, des 68, eh bien, il y a un groupe de trois qui n'ont rien à voir avec les FTP, MOI, communistes, etc. C'était ceux qui faisaient des faux papiers. Et c'était un réseau de faux papiers qui travaillait pour tout le monde après, puisqu'il y avait eu cette unification de la résistance. Voilà, je pense qu'on a à peu près répondu à tes questions. Il y a peut-être encore d'autres choses à dire. La troisième partie de l'ouvrage s'intitule « Et nous serons à tout jamais victorieux ». Point d'interrogation. Ah, j'ai oublié le point d'interrogation, oui. Ah, il est important. Il est important. La mémoire de la MOI à MOI, elle débute tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur l'exécution, peut-être, et très donc le 21 février 44, et très rapidement sur les cérémonies à Ivry. Oui, bah je. Peut-être pour l'immédiat après-guerre, je te laisserai la parole. Mais c'est vrai qu'en fait, on a, pendant longtemps, un peu vite, on a eu une idée reçue sur cette mémoire en disant, bon, finalement, le PCF étant sur une ligne très patriotique, aux accents très cocardiers, voire très nationalistes, aurait mis de côté, finalement, la participation des étrangers, des immigrés à la résistance française. C'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai parce que dès 44 et jusqu'ensuite, la galaxie communiste, pas seulement le PCF, mais des organisations d'anciens résistants qui lui sont liées, des associations sportives qui lui sont liées, culturelles, humanitaires, etc., vont au contraire mettre en avant ces figures d'étrangers, notamment le groupe Manouchian exécuté le 21 février 44. Qui s'appelle d'ailleurs le groupe Manouchian Boxoff dans un premier temps, ensuite le nom de Boxoff disparaît pour des raisons qu'on pourra développer si ça vous intéresse. Mais voilà, sans vouloir résumer tout le troisième chapitre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très vite, ça c'est quelque chose sur lequel j'aime insister, Jean le sait, mais très vite les enjeux de la guerre froide vont s'imposer dans la manière de transmettre et de travailler cette mémoire. C'est-à-dire que très vite, la petite parenthèse, on va dire, d'union nationale gaulo-communiste qu'on a beaucoup mythifiée, beaucoup idéalisée par la suite, va se briser devant les enjeux de la guerre froide. C'est-à-dire que les communistes, à partir de 1947, les ministres étant virés, les très importantes luttes sociales étant de manière là aussi très importante, réprimée. Les communistes étant mis au banc de la nation, hein, je rappelle les mots des socialistes de l'époque, les communistes ne sont ni à gauche ni à droite, ils sont à l'Est. C'est-à-dire vraiment voilà. Vous ajoutez à ça les procès staliniens à l'Est, justement, vous avez tous les enjeux de la guerre froide qui s'imposent sur la façon dont les communistes vont travailler cette mémoire de la MOI. Et ils vont devoir presque la travailler et la mettre en avant, puisque un certain nombre d'étrangers, dont certains d'anciens résistants, d'anciens déportés, d'anciens combattants, etc., vont se retrouver en proie à l'anticommunisme d'État. Dans les années 40, 50, on va les expulser, on va les réprimer, on va les mettre en prison, on va leur retirer la nationalité. Moi, j'ai fait un bouquin, j'ai édité le témoignage d'une communiste juive de la MOI résistante et rescapée d'Auschwitz, Masha Ravin. Je ne sais pas si tu l'as dans ta boutique. Je pense à mon compte en banque aussi. Mais Masha Ravin, qu'on cite par ailleurs dans notre livre, elle et son mari, Jacques Ravin, c'est leur nom de résistant, obtiennent la nationalité française en 1947, si mes souvenirs sont bons, justement du fait de leur implication dans le combat. Jacques Ravin est un des responsables des FTP-MOI en zone sud. Masha Ravin, elle, est une combattante de la MOI et du MNCR en région parisienne. Ils sont tous deux juifs polonais, ils obtiennent tous deux la nationalité française, et quelques années plus tard, on leur retire. On leur retire parce qu'on accuse Masha Ravin d'être une espionne au service de la Pologne. Parce qu'elle...
tout simplement parce qu'elle écrit dans un journal communiste de langue polonaise en France. Donc forcément, face à cela, vous avez une mémoire, j'allais dire, une mémoire combattante de la MOI qui se met en place, et des structures, vous avez le comité de défense des immigrés qui se met en place, etc. Et donc, face à cette répression, face à cet anticommunisme, une mémoire va se mettre en place qui, au contraire, va mettre en avant la qualité d'immigré et la qualité d'étranger de ces combattants, alors au service d'un projet patriotique, national, etc., il n'y a pas de problème. Mais leur qualité d'étranger, leur qualité de combattant n'est pas du tout mise sous le tapis, au contraire, est valorisée par le PCF dans ces années-là. Voilà, ça c'est un peu ma marotte, cette période-là, mais si Jean veut continuer... Non, mais c'est pas simplement continuer, c'est expliquer que dès février 1945, on aura bien sûr les commémorations, on aura la mémoire de ces fusillés avec la banderole, effectivement, groupe Manouchian Box-Off, les 24 du groupe. Alors, les 24, parce que ça renvoie à deux choses. Moi, je l'ai interprété, et peut-être on pourra en reparler. Il rajoute Epstein, parce que effectivement, lui, il est pas. Certes, il est arrêté en même temps que Comanchon, mais ils ne savent pas qui c'est, ils ne parlent jamais, ils n'ont pas son identité, ils ne comprennent pas que c'est le chef de la région parisienne, etc. Il ne sera fusillé que plus tard. Quelques semaines plus tard, hein, mais pas avec le groupe et différemment, etc. Enfin, pas dans la même logique. Mais. Peut-être que les 24, c'est aussi les 24 qui étaient au procès, puisqu'ils étaient présentés comme ça, et c'est le 24e qui a été retiré du procès, puisqu'il était par hasard dans ce groupe. C'est peut-être ça aussi, il y avait cette possibilité d'interprétation, donc c'est pour ça que peut-être une petite note de correction, je suis allé trop vite sur cet aspect, mais c'est pas trop grave. Sur les enjeux de la mémoire, ce qui a été dit, non seulement sur la logique de guerre froide, mais il y a aussi toutes les associations qui vont créer les anniversaires, les commémorations. À Ivry, le lieu où ils sont enterrés, hein, puisque ça dépend Mont-Valérien, c'est le cimetière à côté, ben, il y a toujours une cérémonie le 21 février, etc. Alors, il y avait des périodes où ça a été important, puis des périodes où c'est un peu plus petit. Autrefois, il y avait un cortège qui traversait la ville. Maintenant, c'est rendez-vous au cimetière. Mais c'est quelque chose qui marque l'espace. Alors, il n'y a pas simplement ces enjeux de commémoration. Il y a les plaques, les noms de rues, enfin tout ça. Si on reprend les noms de rues Manouchian, si on reprend les noms de rues des différents FTP-MOI, on va en trouver beaucoup. Alors, il y a différentes périodes, bien sûr. Ce n'est pas linéaire de 1945 à nos jours. C'est certain. Et puis, c'est les enjeux d'aller-retour de la mémoire et des mémoires qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais c'est présent. Et les deux poèmes qui participent à cela, d'abord, c'est Éluard, hein, le premier dans Légion, qui évoque la mémoire du groupe dit Manouchian, parce que le groupe Manouchian, c'est une invention de la police française, de la fiche rouge et des Allemands, etc. Puisque eux, c'était des FTP MOI, en fonction de détachement, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et puis, au-delà du poème d'Éluard, c'est celui d'Aragon. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les archives du CNRS, où il y a maintenant les œuvres d'Aragon, la première présentation du poème, qu'on connaît sur strophe pour se souvenir, etc., enfin, et c'était le groupe Manouchian. Après, c'est biffé, mais au départ, il l'appelait le groupe Manouchian. Donc, on est bien au cœur de cette mémoire. Et puis, bien sûr, au-delà du poème, c'est la chanson de Léo Ferré qui en fait et qui le porte jusqu'à Feu Chatterton aujourd'hui, qui le reprend. Donc, il y a bien un côté, non pas linéaire, mais il y a une mémoire importante. Voilà pour les enjeux mémoriels. Dire un mot des œuvres cinématographiques, quelques bandes dessinées, quelques romans, et ce sera mon dernier mot, je voudrais vous entendre aussi, avoir votre avis sur la panthéonisation. Non, moi je vais juste parler d'un film parce que avec Jean il nous tient à cœur, c'est celui de Franck Cassanti de 79. 16. Pardon, oui, t'as raison, 76. Franck Cassanti, c'est un réalisateur qui est décédé à Noël.
et que Jean avait eu la chance de pouvoir interviewer quand on a travaillé sur Rino, ouais. Puisque dans son film « L'affiche rouge », Rino est incarné par Bruno Labrasca, un acteur que Jean aussi avait pu interviewer, qui lui est toujours bien vivant, il n'y a pas de problème. Et Franck Cassanti, il a fait un film qui moi me plaît énormément. C'est un film assez particulier avec pas mal de mise en abîme. Enfin bref, pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y, regardez-le. Et c'est un film qui baigne aussi. Il est intéressant. Il est intéressant en cela, c'est parce que pour reprendre le titre du documentaire de Chris Marker, c'était encore une période où le fond de l'air était rouge et où du coup son film est aussi un hommage à différentes luttes de son époque, un hommage au Chili, un hommage aux militants basques en Espagne qui sont parmi les dernières victimes d'un franquisme agonisant. Voilà, je trouve que ce film est très, très beau, très touchant et c'est sans doute pour moi le meilleur qui est, de toute façon il n'y en a pas 150 qui a été fait sur le groupe des FTP Moïd, etc. Mais pour moi ça reste le meilleur qui a été fait jusqu'à présent. Et puis bien évidemment toute une série de productions diverses et variées. Et je vais laisser Jean partir là-dessus, puis après à la fin on rebondira sur la panthéonisation. Oui, et puis elle suit aussi de Guédi Guian, l'armée du crime, etc. Alors avec peut-être des raccourcis, des gens qui ne sont pas présents, etc. Mais bon, qui participent aussi de cette construction mémorielle et qui est importante. Alors tu as évoqué les BD, tu as évoqué, on pourrait évoquer aussi les monuments, on pourrait évoquer aussi les dessins, les lithographies. Enfin, il y a plein de choses qui ont marqué et qui sont présentes, les symboles que tu évoquais tout à l'heure. Mais il y a aussi, me semble-t-il, les enjeux de la place des étrangers et de la place des immigrés dans la société française, avec toutes les questions qu'on a post-68. N'oublions jamais les ratonnades dans les années 70 sous Giscard, etc. Et puis les changements dans la police en 80 avec Jox qui remet en place une autre police. Enfin, il y a plein de choses aussi en arrière-plan qu'il faut jamais perdre de vue sur la place des immigrés dans la société française et sur les combats des immigrés dans la société française dans les années 80, 90, jusqu'à nos jours. Et il est, alors on y va, voilà, puisque la question c'est la panthéonisation. Ce gouvernement fait quelque chose qu'aucun gouvernement avait fait auparavant. C'est de faire panthéoniser un étranger de surcroît communiste et qui faisait de la lutte armée. Donc il y aura Méliné et Missa qui rentrent au Panthéon. Avec, et ça c'est certain, les noms des autres qui sont fusillés, plus celui de Joseph Epstein. Donc de ce point de vue-là, bravo, c'est génial, la patrie reconnaissante, mieux vaut tard que jamais. Et en même temps, puisque c'est ce qu'il faut dire, on a la loi immigration. Les paradoxes de ce gouvernement et de ce pouvoir. Parce que là, c'est un des paradoxes. Parce que ça voudrait dire que les étrangers, certes, qui ont participé à la résistance, etc., mais ça, c'est mort, c'est du passé, c'est fixé, c'est fixiste, c'est un patrimoine fixiste. Et de l'autre côté, comment dirais-je, on succombe aux sirènes de la préférence nationale. Voilà, c'est ça le contexte. Ouais. Bon, sur la panthéonisation, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose. C'est une... Moi, j'ai eu deux réactions successives. La première, ça a été un grand étonnement que ce soit ce gouvernement-là, si dissemblable en tout point aux gens qu'il panthéonise, qui organisent cette cérémonie. Et puis en fait, de plus en plus... Alors, un étonnement qui, moi, en tant qu'historien, m'a plutôt fait plaisir, parce que je me dis que justement, les commémorations, que ce soit des commémorations associatives, politiques, gouvernementales, étatiques, sont l'occasion de faire ça, là, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de faire de l'histoire, de produire des objets historiques, d'en parler ensemble et de réfléchir ensemble à qui étaient ces femmes et ces hommes.
Et puis cet étonnement mêlé donc d'intérêt et d'un sens de l'opportunité commence, j'allais dire, plus les jours avancent vers la date, plus cet étonnement fait place à une forme d'énervement, pour rester poli. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. On a lu le communiqué de presse de France 2 qui nous indiquait que la cérémonie d'hommage, la cérémonie de panthéonisation, serait animée par Nathalie Saint-Cricq et Stéphane Bern. Je n'ai rien contre eux à titre individuel. Je ne les connais pas, on ne se connaîtra jamais, je m'en fous. Mais, bon, Nathalie Saint-Cricq, c'est toujours bien qu'une petite jeune qui débute dans le milieu essaye de se faire un nom, donc ça, à la limite, très bien. Mais Stéphane Bern, qui justement représente Stéphane Bern, qui a un talent et une popularité certaine, c'est pas la question, hein, mais qui représente justement ce vers quoi nous, historiens, on essaye d'aller à l'encontre, parce que nous, on essaye de faire de l'histoire, pas seulement du spectacle. Moi, je constate un besoin de récit historique dans la population, de mise en récit de l'histoire, pas de problème. Et à nous, historiens, de faire aussi des efforts de langage, de style, d'expression, pour faire passer au plus grand nombre une connaissance universitaire qui peut parfois un peu rebuter le grand public. Donc, trouvons les armes, trouvons les outils pour faire passer cette connaissance. Pas de problème. Et je pense que d'ailleurs, entre parenthèses, le fait de faire des livres à 10 euros, merci Libertalia, je pense que ça peut commencer à y participer. Mais en revanche, donner les clés médiatiques d'un tel événement à quelqu'un qui promeut une vision de l'histoire totalement opposée à l'histoire des historiens, je trouve quand même que, au-delà par ailleurs des idées politiques du personnage, à la limite mettons-les de côté, mais je trouve tout de même que c'est quand même un sacré manque de respect vis-à-vis de ces femmes et de ces hommes, un manque de respect vis-à-vis de ce qu'ils étaient, de ce pourquoi ils combattaient. Et je pense que cette cérémonie, par ailleurs, sur laquelle on n'a aucune information. Hein. On est à 20 jours du truc, on n'a strictement aucune information. À mon avis, ce n'est pas pour rien. Vu le climat social ambiant, je pense que donner le moins d'informations possible, ce n'est pas forcément innocent. Bon, en tout cas, voilà ce que j'avais à en dire. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de profiter de cette occasion pour faire de l'histoire, c'est-à-dire pour expliquer qui étaient ces femmes et ces hommes, ce en quoi ils croyaient, ce pourquoi ils combattaient, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe. Mais c'est de recontextualiser les choses pour mieux les comprendre. Voilà. Donc si la panthéonisation peut servir à ça, tant mieux. Et si elle sert d'autres agendas politiques, là, il faudra être vigilant. Dernière chose, et parce que c'est le bouquin, et puis je voudrais quand même vous citer ça, ça participe de ce que vient de dire totalement Dimitri, c'est sur les enjeux de droit du sol et droit du sang, puisque ça participe de ce qu'on vient de dire, et on rend la parole à Adam Raïski, donc qui était dirigeant de la MOI, puis des FTP-MOI, puis qui a participé au sang de l'étranger avec Stéphane Courtois et Denis Péchanski. Par leur engagement exceptionnel dans la guerre, et plus particulièrement dans la résistance, les immigrés semblent avoir dépassé cette opposition en versant leur sang sur le sol français. Et pour moi, le 21 février, c'est ça qu'on doit mettre partout. C'est ça qu'on doit coller, c'est ça qu'on doit taguer, c'est ça qu'on doit dire et reprendre dans la presse, partout. Cette phrase-là, il y a tout dedans. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des interventions? Est-ce qu'on peut découvrir, trouver justement où on peut s'adresser pour savoir, par exemple, bon, c'est le problème de mon grand-père. Oui. Il a dit, enfin, il est venu en 1900 en France, de la Russie lointaine. Mmh. Il est devenu français en 49. Il a participé au combat de libération de Montreuil. Ma grand-mère a été membre du comité local de libération de la ville. Donc,
des gens qui ont participé. Le problème, c'est que eux, ils étaient, mes grands-parents, c'était ils étaient français avant tout. C'est-à-dire que jamais ils parlaient du passé. C'était toujours, il faut aller de l'avant. Et on n'a jamais su. Ils ont disparu. Enfin, ils ont disparu dans le sens où on a jamais. Bon, on a pu savoir où ma mère et mon oncle étaient cachés. Mais ils étaient à Toulouse à un moment donné, mes grands-parents. Mais on n'arrive pas à savoir. Enfin, c'est trop tard de toute façon, parce que autant mes grands-parents que mes parents ont disparu. Mais je voudrais savoir. Et c'est un vide terrible de ne pas savoir. Comment on peut faire? Alors, il y a des pistes, il y a différentes pistes. On peut vous donner. Il y a des pistes, il ne faut jamais perdre de vue. Les archives nationales aujourd'hui ont ouvert et tiennent à la disposition de tout le monde tous les fichiers concernant les étrangers, puisqu'ils étaient surveillés comme tout étranger, police des frontières, même police des trains, hein, avant que ce soit la SNCF, c'est pas à part les logiques de train qu'on savait où est-ce qu'arrivaient les gens, ils étaient repérés, etc. Donc vous avez aux archives nationales, et maintenant tout a été mis en ligne, et c'est ça qui est important, tous les noms, tous les dossiers qu'ils peuvent avoir. Donc il y a tous ces enjeux. Il y a les enjeux aussi de ce que la surveillance de police, donc il y a des choses, des renseignements généraux, peut-être, je ne sais pas, comme ils ont été combattants, engagés, etc., est-ce qu'ils ont une fiche aux archives de la préfecture de police de Paris, mais sauf s'ils étaient à Toulouse à ce moment-là, il faudrait peut-être aller regarder sur les archives toulousaines. Mais il peut y avoir des traces. Voilà, on peut toujours trouver quelque chose. Alors, ça peut être des fois rien du tout, hein, ça peut être quelques lignes, mais c'est pas avoir. Enfin, comment dirais-je, les archives, elles sont accessibles à tous. C'est même, je dirais, la logique d'un État démocratique, c'est que tout citoyen a accès aux archives. Ça n'appartient pas qu'aux archivistes et ça n'appartient pas qu'aux historiens. L'accès aux archives, ça renvoie. Eh bien, tout simplement à l'accès à notre histoire, à nos mémoires aussi, parce qu'il peut y avoir des enjeux mémoriels. Mais dans les pays où on n'a pas accès aux archives, hein, ce sont les dictatures. Nous, on a cette chance d'avoir un très beau service des archives nationales, des archives départementales et des archives communales. Et ce qui est paradoxal, c'est la Révolution française qui les invente, en créant le 1 plus 1 égale 1, hein, une commune plus une commune, un canton plus un canton, un département, et un département plus un département, un État-nation. Bah, cette structuration participe aussi aux archives, et c'est accessible à toutes et tous. Voilà, je pense que vous pouvez trouver des choses là-bas. Il y a quand même l'armée qui garde des archives secrètes, non ? Alors, oui, effectivement, sur l'armée, il y a toujours des choses particulières. En revanche, il y a eu vraiment un tournant il y a quelques années au service historique de la défense, rendant accessible de nombreuses archives. Et en particulier, je vous donne un exemple, parce qu'on l'a fait pour Rhino tous les deux. Toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale sont ouvertes depuis 2015. C'était une décision de Hollande, il aurait pu faire pareil pour Manouchian, mais bon, peu importe. En tout cas, c'était sa décision de l'ouverture des archives. Et dans les archives de l'armée, du service historique de la défense, au moment de la libération, les anciens nazis, ou les gens qui sont arrêtés, ou collabos, etc., sont interrogés par le BCRA. Le BCRA, en fin de compte, c'était les renseignements gaullistes, si l'on veut, au moment de la libération. Mais ces archives, elles restent dans le renseignement. Après, elles vont passer aux SDES, elles vont passer, etc., etc. Et elles ne sont retournées et rendues véritablement au service historique de la défense qu'au début des années 90, et c'est à ce moment-là qu'elles sont inventoriées. On n'avait pas encore les inventaires, mais à partir de 2015, on a eu les inventaires. Et c'est en travaillant sur ces inventaires que je regarde, et il y a un dossier Manouchian. Alors, on y va tous les deux, on le demande. Et en fin de compte, dans ce dossier, on avait non seulement, bien sûr, tous les bulletins d'essai quand ils sont fusillés, en allemand, en français, vraiment, c'est la logique, telle heure, telle minute, constatée par tel médecin, enfin, etc. Et puis des pièces concernant le procès. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la seule pièce qu'on connaît aujourd'hui en France du procès qui a eu lieu
en février 1944, du 15 au 19, à l'hôtel Continental, dans la salle royale de l'hôtel Continental, rue Castiglione, hein, c'est ça, avec tous les 24, de 1 à 24, et puis 1, on tire un trait, on dit qu'il est retiré du procès. Devant eux, vous avez différents groupes. Le premier groupe, ça va de Manouchian à Rino de la Negra. Des lettres rajoutées, K devant, communiste, J devant, Juden, donc juif. Rajoutés à la main ceux qui ont tué Ritter, tous francs-tireurs, donc francs-tireurs, ils doivent être fusillés. Mais on a le nom des juges. Et c'est la première fois qu'on a sorti les noms des juges. Personne ne connaissait les juges avant de cela. Donc il y a trois juges, Eckart, Hage, et puis le troisième, ça y est, ça me sort. Et puis les avocats commis d'office. Et ces avocats commis d'office, eh bien, c'était tous des Troufions, des Feld gendarmes qui étaient là, et on n'a que les prénoms. On voit bien la logique. Il y a des choses. Même au sein de l'armée, il y a des choses. Faut pas avoir peur d'aller au SHD à Vincennes. Il y a pas mal de choses consultables, ouvertes, et nous, on a pu les consulter. Sans oublier un autre aspect concernant ces archives, les dossiers de résistants. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que après-guerre, et c'est normal, nombreux sont les résistants qui vont demander la reconnaissance. Sauf que, comme l'a dit Dimitri, hein, faut jamais perdre de vue qu'il y a la guerre froide. Et que la plupart d'entre eux, ben, ils obtiennent tardivement les choses. Rino de la Negra, c'est très tardif. Les derniers documents que la maman obtient, c'est dans les années 70, au début des années 1970. Mort pour la France, ces étrangers. Ben, le dernier, ça prend beaucoup de temps. Il y en a, c'est dès 45-46, tout de suite. Manouchian, c'est 1972. Et le dernier, c'est février 2023. C'est le premier de la fiche rouge. Celui qui a un nom imprononçable, Glass, etc., juif, polonais, etc., le premier de la fiche rouge, il est reconnu mort pour la France en février 2023. Et cette reconnaissance de mort pour la France, c'est quelque chose qui figure sur quoi ? Enfin, ça dépend du ministère des armées. Vous avez le site, et ça c'est intéressant parce que c'est toutes les mémoires des guerres. C'était la DMPA autrefois. Ah oui, pardon, excusez-moi, le micro. C'était la mémoire des armées. Vous avez un site sur lequel vous retrouvez tous les morts pour la France, je dirais de tous les combats, de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, et en fonction aussi des natures de victimes, résistance, déportation, etc. Et ça, c'est l'ONACVG, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui permet ces reconnaissances. Et il y a deux centres, il y a à la fois le SHD que j'évoquais de Vincennes, mais vous avez aussi les archives de Caen, puisque à Caen, ils ont toutes les archives de l'ONACVG, et qui sont accessibles aujourd'hui, et où tout le monde peut aussi faire des demandes. Et ça c'est important. Pardon. Il y a deux questions, ou remarques, pardon. Allez-y. Alors, moi j'avais une question. Vous l'avez évoqué, en fait, dans les FTP-MOI, il y avait quelques femmes, et je voulais savoir si ces femmes, elles menaient des actions de guérilla spécifiques, ou s'il n'y avait pas de différence entre les combattants de la FTP-MOI. Ça dépend les pays, mais la résistance n'échappe pas à une division genrée du travail. C'est-à-dire qu'en général, je dis bien en général, les femmes, elles ont un rôle d'agente de liaison, d'estafette, qui est un rôle central, hein, mais qui n'est pas un rôle directement combattant. Après, ça dépend des zones, ça dépend, vous avez, hors FTP-MOI, vous avez des femmes FTP qui participent les armes à la main à certains combats. C'est le cas notamment dans des moments un peu particuliers comme les combats de libération de certaines villes, comme la libération de Paris, de Marseille, de Lyon, etc. Vous avez des femmes combattantes. Mais en général, vous avez quand même une division genrée du travail, si je puis dire. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, en Grèce ou en Yougoslavie, vous avez des femmes qui portent les armes comme les hommes. Il n'y a pas de distinction. Ce qui, par ailleurs, peut poser tout un tas de conflits et de mise en place de règlements internes très stricts sur les relations femmes-hommes, etc. Bref, peu importe. Voilà, c'est pardon, il y avait sur les places des femmes, c'est ça. On l'a dit tout à l'heure, hein, les renseignements,
c'est Christina Boyko qui s'en occupe et qui gère les renseignements. L'armement, c'est Olga Bansik qui gère la distribution des armes et les caches d'armes. Donc, elles ont un rôle important, non négligeable et fondamental. Sans elles, eh ben, Rino de la Negra, c'est Inès qui lui amène les armes, qui est son agent de liaison et d'armement. Donc, elles sont présentes. Quand je disais tout à l'heure, on s'est intéressé aux 68 arrêtés en novembre 1943, on a redonné toute la place aux femmes. Parce qu'elles, elles avaient été oubliées, elles ont été déportées, plusieurs d'entre elles sont mortes à Auschwitz. Donc voilà, c'était ça un peu aussi l'idée. Voilà. Et qu'il peut y avoir, je vous ai dit, 8 couples dans ceux qui sont arrêtés. Et des enfants. Oui, des enfants dont certains sont cachés. Olga, sa fille Dolores, en mémoire de Dolores Ibaruri, elle est placée, elle est protégée un temps. Voilà. Elle est guillotinée à Stuttgart, si mes souvenirs sont bons. Oui, parce qu'en fait, ça correspond au code militaire allemand, en fait. Et pour tout un tas de raisons, à la fois de relations publiques vis-à-vis de l'opinion française et de codes militaires allemands qui s'entremêlent, les femmes ne sont pas fusillées et pas en France. Elles sont guillotinées. Ouais. Il y avait une autre main. Oui, Eric. Non, c'était pour par rapport à la question de monsieur sur les morts pour la France. Tu as bien fait de citer les ressources du ministère de la Défense. Donc il y a le site internet du ministère qui est mémorial qui a recensé toutes les morts pour la France. Et donc l'appellation mort pour la France est 14-18 pour tous les morts, tous les soldats tués au combat. Et y compris, contrairement à ce que certains y racontent, étrangers. Mais toujours à replacer dans le contexte. C'est-à-dire qu'un soldat algérien, il n'est pas étranger. Parce que l'Algérie, c'est la France. La Tunisie, les Marocains, un peu chinois, voilà. Donc là, et vous avez ça sur Internet, tous les cimetières, toutes les sépultures. Si vous visitez les cimetières du nord de la France, vous avez des carrés et des emplacements par nationalité pour aujourd'hui. Ce n'est pas le cas à l'époque. Donc algérien, tunisien, marocain, voilà. À Montargis, là j'étais récemment pour une étude pour le maire, il y a un carré de soldats russes, voilà, qui côtoient des soldats tunisiens, algériens, qui ont leur patronyme entier inscrit sur leur croix et à chaque fois mort pour la France, mort pour la France, mort pour la France. Et lors des cérémonies d'hommage, quand les choses sont bien faites par les autorités de la République, à chaque fois qu'on donne le nom des morts, on dit mort pour la France. Donc le documentaire, il y a un documentaire qui était sur Manouchian qui commence comme ça, mort pour la France, on donne le nom. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'était sur les femmes. C'est intéressant, hein, la question et les réponses qui ont été données, c'est que pendant la guerre d'Espagne, il y a cette discussion a encore lieu, puisqu'elle a eu lieu pendant la Commune de Paris, elle a eu lieu pendant 1848 en France, pendant les journées révolutionnaires de 1830 et pendant la Révolution française aussi. Voilà. Et en Espagne, les milices anarchistes arment les femmes, les milices poumistes arment les femmes, mais il y a un débat dans les milices républicaines. Où là, on considère qu'on ne doit pas donner les armes aux femmes, elles doivent avoir le rôle de les cantinières et les agents liaison. Sur l'aspect mémoriel, alors là, la pontinisation, pour moi, la pontinisation, c'est toujours, comme vous le savez, tous ici, c'est un instrument politique, voilà, il y a toujours derrière une volonté politique qui s'inscrit dans une volonté, là aujourd'hui on dit communication, voilà, communication. Tu voulais dire propagande ? Avant le terme c'est propagande, hein. C'est pas un terme communiste, non. Propagande, hein. C'est inventé en 1515 par le Vatican. Propagande. Non, ce qui est intéressant c'est que ça soulève plein de choses. Il y a eu d'abord pourquoi Manouchian là maintenant, c'est que le terrain est déminé. Quand Adam Renski, Stéphane Courtois et Denis Péchanski écrivent leur ouvrage, dans l'année 88, ils vont paraître en 89, ouais. On est encore dans une période qui n'est pas celle de Dimitri et de Jean Villereux,
C'est une période où il y a encore beaucoup de polémiques et beaucoup de procès qui sont intentés sur la dénonciation du groupe, sur l'abandon du groupe, sur la trahison du groupe, etc. Ça, ce terrain est complètement dénoncé, première chose. La chose qui est complètement, d'ailleurs, dans la propagande gouvernementale, c'est qui est complètement écartée, sur laquelle ils ont du mal à jongler ou à agir, c'est que dans le groupe, ils sont majoritairement juifs, mais avec le contexte actuel, comme on fait de la com, on doit faire attention. Deux, on met Missak, alors on se dit avec Manouchian, on sera tranquille, mais manque de peau, c'est un Arménien. Et au moment où, en 2014, où la question a été évoquée, puis après resservie sur la table du président en 21, le Haut-Karabakh, Azeri, le pétrole, etc. Donc là, on a bien cerné les troupes et on leur a dit, et donc on demande à Stéphane Bern et à Nathalie Saint-Cré qui vont bien évidemment se garder d'arriver pour évoquer toutes ces questions que vous, si on avait confié à vous deux, vous auriez évoqué. Donc vous savez bien que, voilà, à vous deux ou à d'autres, qu'on ne va pas vous confier on ne va pas mettre un historien qui va arriver à la télévision pour dire, alors voilà, voilà. Donc la pontinisation, voilà. Et puis dernière chose, je nuancerai moi sur la commémoration communiste. Dans les mémoires de Jacques Duclos, écrites à la fin des années 60, il n'y a pas une ligne sur le groupe Manouchian et sur les juifs dans la résistance. Dans les quatre premiers bouquins, j'ai encore vérifié là, parce qu'au musée de l'histoire vivante, on a été sollicité pour l'iconographie dans les documentaires, etc. etc. Dans les quatre bouquins qui sortent en 46, 48, 49, 51, 53, sur les fusillés, etc., Missak Manouchian apparaît, tous les autres sont oubliés. Et pour finir, si je finirai là-dessus, c'est ce qu'a dit au tout début de notre rencontre Nicolas, c'est que dans l'imaginaire et dans les cultures politiques, en 68, c'est l'extrême gauche qui parle de Marcel Reimann et des juifs de FTP, de FTP et Moï, et Dimitri a bien fait de le dire, de le rappeler, ils disent FTP et Moï. Moi, à l'école ministre révolutionnaire, Ben Saïd, il dit Moï. Il dit pas Moï, il dit Moï. C'est un séfarade, mais ça n'empêche qu'il dit Moï. Voilà. Ils disent Moï. Et ils ont la fiche rouge dans leur chambre, dans leur appartement. Ils sont d'extrême gauche, etc. Et dans les manifestations, ils portent, ils ont beau être ces communistes du FTP et Moï, les trotskistes de ces rangs-là, en 60. Voilà. Et la chanson de Léo Ferré, c'est 61. Et le poème d'Aragon, c'est 55, le poème des Loires, c'est 51. Avant, il n'y a rien. Voilà. Si, il y a des publications, Eric, il y a des publications notamment du CADI de la fin des années 40 qui sont... Ouais, non, mais le CADI, c'est le PC, je veux dire, voilà. Oui, et oui, ça fait partie de la galaxie. Et puis au-delà des grands discours... C'est aussi tu le sais très bien, c'est les pratiques militantes de terrain, de commémoration dans les villes, etc. Après, tout ce que tu dis sur les mémoires de Duclos, etc., c'est tout à fait juste, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais simplement, tu sais aussi bien que moi que pendant très longtemps, on a dit « on les cache ». En fait, on ne les a pas cachés. Voilà. C'est tout ce qu'on dit. Voilà. Non. Alors là, on a une. Oui, oui, mais bon. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, je leur ferai rien. Non, attends, Eric, on t'a écouté longtemps. Maintenant, Jean va prendre la parole. Non, mais c'est pas pour prendre la parole, mais faut pas faire. Ah oui. Faut pas oublier qu'il y a des ouvrages qui paraissent sur les lettres de fusillés. Et dès le début, dès 46, dès 48, dès 49, toutes les lettres de fusillés sont publiées, et y compris celles des étrangers. Il y a Diamant, et le fond Diamant, et Diamant qui écrit sur les juifs dans la résistance, etc. Donc, et juifs communistes dans la résistance. Il y a beaucoup de choses qui paraissent. Mais après, est-ce qu'il faut regarder au niveau... Alors, bien sûr, c'est toujours la logique. On regarde au niveau central, au secrétariat politique, au bureau politique, etc. Mais il y a des questions, et des questions importantes au bureau politique et au secrétariat sur...
bah, que devient, et là c'est la thèse de Zoé Grimbert, hein, militer en minorité au sein du PC sur le groupe des juifs communistes, et il y a des choses super intéressantes, et donc c'est pas si simple. Voilà, c'est pas noir, c'est pas blanc, il y a toujours des interstices sur lesquels il faut aller. Voilà. Et puis un dernier mot, avant de boire un coup, et ensuite nous on doit partir. On n'a pas parlé en effet de Pierre Goldman, on n'a pas parlé de Pierre Goldman, fils d'Alter Moïse Goldman, mais ça c'est dans le bouquin. Voilà. C'est dans le livre et il ne coûte que 10 euros. À bientôt, merci à vous toutes et tous, et restez boire un verre.